La phrase que vous avez retenue de papa. Dans sa prédication qu'il dit de prêcher une semaine après la loi de la reproduction. Alors, j'ai retenu quelque chose là. Papa nous a dit que nous sommes des chrétiens, nous devons produire des fruits de Christ. Nous devons produire des fruits de. Un nez blanc, il dit que pour moi, tu peux être un nez blanc, mais tu apprends tes noirs. Même moi, je ne peux pas accepter. Et que si tu es noir, maman alcool me donne un enfant blanc, je n'accepterai jamais. Cela veut dire que comme nous sommes des chrétiens, nous sommes les croix du message, nous devons produire les fruits du message et amener la vie du message. C'est ça que j'ai retenu comme la phrase dans sa prédication-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sylvain Maël Sotokoumi est déjà prêt avec les éléments. Vous pouvez nous faire signe. D'accord, merci beaucoup. Quel est l'élément qui est déjà prêt là? Parce que c'est... D'accord, c'est un grand homme de Dieu. On poursuit toujours. Tous allez coller là toujours. Papa, on se rappelle de phrases. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi des gens où il y a pour rendre hommage à le révérend Baruti Kasongo. On va encore fuir du côté de la régie. On va prendre encore un élément. C'est de maman Joël Kabasele qui, il y a aussi, je pense que c'était le dimanche, il a aussi honoré les dents. Il a aussi parlé na malamu, il y a ces grands hommes de Dieu. Et puis nous allons rentrer pour continuer avec notre tranche spéciale. Dû à l'hommage de l'homme de Dieu, le révérend Baruti Kasongo. Alors, si là, on parle même langage avec la régie, c'est parti et on se retrouve tout juste après. Hier, il y a un héros qui est parti. Il y a un homme qui s'appelle le pasteur Baruti qui a tiré sa révérence. Un grand général qui a servi le Seigneur avec honnêteté. Une chose que je regrette, et je regrette depuis hier, c'est que je m'étais promis d'aller le voir pour apporter une offrande, mais il est parti. Pourquoi? Parce que je procrastinais tellement et je me disais, il est là. Voici l'erreur. Que Dieu t'aide à ne pas procrastiner quand tu dois faire des choses. Je regrette beaucoup de ne pas avoir donné à cet homme cette offrande. Le général d'armée est parti. Parmi plusieurs généraux, il y a eu celui-là. Il a servi Dieu en restant mari d'une seule femme pendant plus de 30 ans. Sans toucher les seins d'une autre femme, malgré les tentations du ministère. Alors qu'il y a des jeunes ici, vous n'avez même pas encore 50 ans, mais tu as déjà fait le tour du monde. Cet homme, branhamiste qu'il était, reconnaissait que Jésus est Seigneur, qu'un seul était maître. Et s'il n'y a qu'une phrase qu'il disait que j'aimais, il appelait Jésus docteur Jésus, parce qu'il guérit les maladies, toutes les maladies. Il est mort hier. Nous, les chrétiens de l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance Campus Ma Campagne, nous acclamons ce général. Nous acclamons ce général. Nous acclamons son départ. Nous acclamons son départ. Que la gloire revienne à notre Seigneur. C'est Jésus qui appelle. C'est Jésus qui rappelle. Jésus, merci de nous avoir donné cet homme. Merci d'avoir donné au corps du Christ cet homme. Merci d'avoir pensé au Congo et d'avoir donné à la nation congolaise cet homme. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Que Jésus soit béni. Tu peux t'asseoir sous la grâce. Dernière fois au monde. Nous savons qu'il faut une salle sur la télé. Et si voilà, on se rappelle toujours de phrases prononcées par l'homme de Dieu. Là, c'était maintenant maman Joël Kabasele. Yépé, hein, qui phrase, hein? Donc, elle a dit, si il y a une phrase qu'elle retient de l'homme de Dieu, c'est parce que il parlait toujours Docteur Jésus. Il y a une phrase à retenir, Yangwana, Docteur Jésus, parce que c'était vraiment, hein, c'était d'abord un thème, et puis comment qui célèbre phrase, il y a Papa Baruti, Docteur Jésus, donc
à Komisa qui, donc, en fait, il parlait de Jésus-Christ, docteur Jésus. Et puis, à chaque fois, quand il disait docteur Jésus, donc, il faut dire que docteur Jésus, vraiment, à Kotina Sen. Et donc, c'était témoignage chez maman Joël Kabasele, na église Aena. Voilà, la phrase qu'elle retient, c'est... Parce que docteur, la phrase qu'elle retient, c'est la phrase où le pasteur Baruti parlait toujours de docteur Jésus. On va écouter Espérance Milambo. Allô, que Dieu vous bénisse. Alors, moi, la phrase que je retiens de Beka, c'est qu'il avait l'habitude de dire « Nzambe lobe la banana yo ». Donc, quand il est là en train de prêcher, qu'il a inspiration, ou soit à mon que c'est trop dur pour Nabino, moi, c'est la phrase que je retiens toujours. Et là, quand on a comprendre, et on a dit, ah, Nzambe, mais mon sang, non, le bac, le bélabisso. Au moment que Dieu t'aide à mieux comprendre la prédication. Donc, c'était comme une prière pendant sa prédication. À mon que soit c'est trop dur, soit vous ne comprenez pas, ou soit à mon que vous avez la peine difficile à avaler. Voilà. Merci beaucoup, Espérance Milambo, Mamana Ofranel, offrande de l'Éternel. C'est que Yazo retenir, c'est la phrase célèbre de Papa Baruti. Nzambe lobela bananayo, Nzambe lobela bananayo. Et puis Azalaki, à chaque fois, Soki, Azali peut-être dérangé par. Tout phrase moi je comprends été texte bible je comprends tabi quand mosal no aloba nzambe lobela banana yo et puis wa nzambe pe a se solliciter. Allô, bonjour. Ouais, bonjour ndeko bengi biso ape ko monani bengi de fou de mete far mangitu ko bengi to zo landa yo la phrase on a retenu chez mon pasteur de la une phrase vraiment qui m'avait marqué à vie. Quand vous avez un problème, ne le dites jamais à quelqu'un, dites-le à Dieu. Après ça, pardon, reprenez d'abord, quand vous avez un problème, ne le dites jamais à quelqu'un d'autre, mais dites-le à Dieu. Ok. Après cet exemple, j'ai dit quand ma fille qui était malade, je ne l'avais dit à personne d'autre, je suis allé vers Dieu. Et je lui ai dit le problème et de qui était guéri. Donc cette phrase, en quelque sorte, c'est du ça aussi pour la maille. À chaque fois que Dieu fait un problème, je pense toujours à ça, je ne le dis pas à personne, mais je le dis. Vraiment, merci beaucoup. À chaque fois que tu as un problème, ne le dis pas à quelqu'un, mais dis-le toujours à Dieu. Nous sommes là en train toujours de se souvenir, en fait, de toutes les paroles, de toutes les phrases. Merci beaucoup, merci pour ton appel. Merci. Ouais, merci beaucoup. Nous sommes là en train de se souvenir de toutes les phrases prononcées par l'homme de Dieu, le révérend Baruti Kasson, dans son actif, hein, dans son actif, les phrases qu'il a eu à prononcer, ça vous a tiqué, ça vous a touché, jusqu'à là, toujours yo kaba phrase. Mais ma prière est que toutes ces phrases-là, Baruti Tabernacle, tout ça, on a mis ça. On prend encore cet appel. Allô? Ouais, que Dieu vous bénisse, bien aimé. Que Dieu vous bénisse aussi, au Bengi Biso à Pipe Komonan. C'est l'honorable Bilo. Honorable Bilo, toujours là d'ailleurs. Ouais, ouais. La seule phrase qui m'a attiré, c'est être connecté. Être connecté. Parce que la condition, quand on est connecté, sur un arbre, tout le fruit vous appartient. Connecté à une famille, c'est votre famille. Alors, le passé nous a toujours dit, soyez connectés. Ce qui m'a toujours plu dans ces vies. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse aussi, honorable Bilo. Merci, être toujours connecté. Hein? Soyez toujours connecté. Soyons toujours connectés au Dieu de Beka. Soyons toujours connectés au Dieu de Beka. Je me rappelle encore, il y a une phrase que un frère nous a dit, le révérend Baruti nous a toujours dit que même si aujourd'hui je ne suis plus là, allez toujours à l'église. Venez toujours à l'église. Toba, c'est la phrase honorable Bilo. Soyez toujours connectés, Nzamba Beka. Donc, merci beaucoup. On prend encore cet appel. Allô?
Allô. Allô. Allô, ne peux pas me soigner comme on Na bengi de pinga lema telefone vivi kama. Tukuna ndaye papa. Oui. Ma pona ngai le sele aluba na rikina ki ya soye des anciens. Les amis. N'oubliez pas les mots de passé. Okay. Les mots de passe, c'est l'amour qui entrera. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. D'accord, merci beaucoup. 082-63-76-907. Je rappelle les numéros pour nos auditeurs qui nous suivent à la radio. Nous sommes toujours là en train de se souvenir de toutes les phrases prononcées par l'homme de Dieu, le révérend Baruti dans son actif. Ce qui aux alina phrase mokozoko retenir et pas inaye. En tout cas, bengabiso ibisabiso phrase. Donc, esa phrase moko oyo et tutayo et tikayo. Esa li phrase nini nde yangoana. Obengibiso tokoyambayo okoleka en direct. Allô? Allô? Allô, ndeko bengibiso ape komona? Le Seigneur me bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Le frère Cyril, à l'Ipen. Frère Cyril, depuis Ipen, toujours en d'ailleurs. Depuis Ipen, et pas Marouza Benang. Oui, oui. En tout cas, nous sommes tristes, mais nous sommes en joie parce que notre pasteur nous a conduits au dernier niveau dans les baptêmes du Saint-Esprit. Nous avons présenté Christ, nous avons prêté Christ, nous ne sommes plus dans la confusion. Donc, nous savons que quand Dieu appelle quelqu'un, il doit aller jusqu'au bout. Quand il a compris et maintenant, quelle est la phrase que vous retenez de Révérend Baruti dans son actif? Oui, je retiens les dernières phrases que l'ancien disait. Il insistait que nous puissions être toujours unis. Et nous puissions avoir toujours l'amour, même à nos frères qui nous ont quittés dans l'église, même ceux qui ne prient pas avec nous, que nous puissions les aimer, que l'amour demeure parmi nous, que nous ne puissions pas être séparés, soyons toujours unis. Donc, c'est ce que le bon père dit dans sa famille. Si le bon père dit de l'amour, ça c'est plus capital. Il nous a présenté l'amour, c'est Jésus-Christ. Pourquoi nous sommes vraiment en joie. Nous savons que Papa se repose en paix, il est dans la gloire. Très bien, merci beaucoup. Nous demandons que Dieu console toujours notre cœur, que nous soyons toujours forts, comme a dit le pasteur Mosen. Merci nous beaucoup. Nous sommes des chrétiens, Papa se repose, et un des jours, on se verra avec Papa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous bénissez dans la RTVA, il vous console. Amen. Merci beaucoup mon frère pour votre appel. On poursuit toujours. Voilà, merci beaucoup, merci. Donc, merci beaucoup Ndeko. Tozali, Koko, bat toujours la tranche d'animation. Bon, c'est une tranche spéciale. À l'hommage de l'homme de Dieu, le révérend Baruti Kasongo. Mais on se rappelle d'une phrase que tu retiens de lui, une phrase qu'il a prononcée, une phrase qui t'a beaucoup marqué, qui t'a beaucoup touché. C'est quelle phrase que le révérend Baruti a prononcée de son vivant? Oyo yo bombati lelo. Zali phrase nini. To yambili sous un déco, nanzira singa déco akéi. Bruyo comme il a biso même. Vous pouvez même nous écrire sur WhatsApp. Alors on va prendre vos messages. Allô? Allô, Ndeko? Allô? 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 Allô, maman, toujours au caillou? Ah, Ngali, maman, pasteur, j'ai dit Ngango. Toujours en d'ailleurs. La commune en Ngali, ma présidente, la Kaluka. Ah. Et donc, la motu, y'a autre retenu, et pas motu, n'a jamais. Oh, les autres, c'est un amour, c'est qu'il dit son amour. Ami tombo la quitter, à tombo la quitter pour la carrière naïe, libosa ma campagne, libosa
malade avec mon docteur Jésus. A dit que l'émission docteur Jésus, il posait ma problème, docteur Jésus. Il y a un des papas qui sont à route à Tomboraki. Ton linga carré ma casse. Ton linga carré penda. En tout cas, bon, il y a eu des autres dima. A qui est-ce qu'il y a la Kimia? A qui est-ce qu'il y a la Papa la vie sur la table. A qui est-ce qu'il y a la différa. N'a pas ça dans le délai de la télévision. On va se tomber là, ma photo, on va se tomber là. Ma route a gagné différent. En tout cas, il y a merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Nabiso pour le témoignage. Nayo, programme ya Bartel Mobimezali ko sangana na Baruti Tabernacle, l'église. Donc, ils allaient situer na avenue paroisse numéro 6. Avant de, parce que le programme na nous limité, parce que on attend aussi rapatriement et accord. Alors, tous allaient ko sangana wana na église pour la famille chrétienne et la famille biologique se retrouve dans son domicile. Voilà, on poursuit toujours. Avant ça, on va encore suivre un élément parce que ils en a battu Bélé. Donc c'est vraiment un homme de Dieu. Voilà, voulais-je dire. Il y a des téléspectateurs, des auditeurs que vous êtes. Vous avez aussi besoin de parler, mais il y a aussi des gens qui ont parlé. Alors on va d'abord commencer à arriver à artiste musicien. Mike Alambay, OEP, Ayebaki, na courandre hommage, et pas à papa, c'était na domicile naé. Alors, on va suivre cet élément. Et puis, nous allons aussi écouter son message dans son église. Voilà, ça va se suivre comme ça, Sylvain Maëlé. On va suivre aussi son message dans son église. Mais on commence d'abord na arriver naé, Oyayaki, courandre hommage, na domicile, ya papa, Beka. Et puis un message, il y a message de, il y a mes condoléances soit Ebaki n'a qu'au prononcer via son église. On peut suivre ça si nous parlons même langage avec la régie. C'est parti. De notre cher papa,
papa, de ma soeur, de ma petite, qu'à son bonheur là. Je vous ai quitté hier. Voilà, nous sommes de retour. Nous sommes de retour directement. On prend ce message, on prend cet appel. Allô. 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 Ndeko Bengibiso, appelle comment on a. Allô.
Allô. Allô, comment on a Elohim? Tout cela en d'ailleurs. Oui, moi, je reconnais que je passe la route à la voiture et tu travailles avec moi. Je sais qui je suis. Je suis le véritable baptême du Saint-Esprit. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. On poursuit toujours avec les appels. Lélo, une façon qu'on se souvient de Pasteur Baruti, c'est en se souvenant aussi de toutes les paroles, hein, toutes les phrases prononcées par l'homme de Dieu que vous retenez jusqu'à là. Ma phrase en vous allez ni ni vous allez qu'on retenir et pas il y a Pasteur Baruti. Allô? Allô? Oui, allô. Allô, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi. Au Bengi Bissoua, Pipe, comment on a? Comment on a mis chez mon goût? Tous les landais. Tous les landais. Vraiment, pas pour pas vous ici. Elle a la malouba, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère. Mais l'autre, il chaque fois, quand il y a là, il se rappelle que la commission a fait ça. Et en gros, on a chrétien, on a un pasteur, on a un problème. Il faut que se rappeler la commission a fait ça. Vraiment, et en plus, à allô, merci. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ndeko. Je rappelle les numéros pour la Mandeko Balan Nabisson à radio 082 63 76 907. On poursuit toujours avec cette tranche spéciale. Allô. Allô, bonjour. Ah, bonjour, Ndeko Bengi Biswa Pe Komona. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse aussi. Moi, c'est le frère Alain Masunda. Tous les landais, frère Alain. Oui, je me souviens souvent les phrases que le pasteur prononçait. C'était quelle phrase? Oui, avant chaque voyage, il nous disait de respecter les pasteurs associés. Ok. Merci beaucoup. À chaque fois, il y avait des problèmes, il nous disait toujours Baruti Tabernacle, calme. Merci beaucoup. Ok, je m'arrête là. Merci beaucoup, frère Alain. De quoi là en lobby, la phrase qu'il retient, c'était d'abord le révérend Baruti disait toujours, il faut aussi respecter le pasteur associé. Il faut les respecter, pasteur Pondembo, le pasteur Mosindo, le pasteur Carlos. Et il disait toujours à chaque fois qu'il y avait un problème, Baruti Tabernacle, calme. Donc voilà, on poursuit toujours, on prend encore cet appel. Allô? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour Ndeko, Bengi Biswa Pe Komonan. Na Bengi depuis Komina Kalamu, Komonanga Leonard Kadiro. Ndeko Leonard, tout cela en d'ailleurs. Phrase on a na kanga ya passé baru pisa, souvent ça n'a zoté ya. Azolo baboye. Je commence à devenir un prédicateur. Bon, je pense que dans des millions, je commence à devenir un prédicateur. Ok. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, Ndeko Léonard. 082-63-76-907 pour ceux qui nous suivent à la radio. Je poursuis toujours. On prend encore cet appel. Allô?
Allô, Ndeko. Oui, allô, Ndeko. Bien, il soit appelé comme on a. Pardon? Vous allez un peu musique à radio, auto, télévision. Alors, Naï, frère Oyo, la retenue, moi, je n'ai pas ancien avis. La route est cassée. Je suis là avec les larmes aux yeux, mais avec ma langue, ils appellent à Essengo. Abanay koloba tout moment, ce qui a été a bêté le komoko, ou est-ce qu'il a bêté à mon bétabi, à n'y a cessé à ma côté mangé. Abiso kinde konabino, azana bal na maboko, pourquoi ko boto la été, et sengeli pour protéger yango. Donc azala ki numéro 9 na biso. Et l'homme moussoso na retenir, au penati le zakatinanga, abanay ko prêcher toujours batu inité, tous à la toujours na bon moko. Alors, Eza est belé, mais Oyonga n'a retenu sous ma kasi, koleka, a dit attaque, bobiki si babeli, bosalignon, sur ce qui moulit au centre exate, bolingo exate, la mité maladine, bokomo nanza mbete, yango, tu banako bengaye, apôtre d'amour. Mais je suis le pasteur Israël de la voix de Dieu Tabernacle et de Kingabwa. Et le bouquin a regretté, na moté mananga, qui n'a désiré qui voulait manamounaye, mais accueilli. Akei nzambe na ya keite ata onshaza laki na ngwe keite yenda ke ko se reposer pour musale esili le reste na za si ke nzambe ya baruti wana tukumuna ye de la même manière que tumuna nzambe ya Branham na nzela na ye un jour tukumuna kaka nzambe ya baruti na nzela ya épouse o etikali bon frère mususu ezake eratei na obseki ande komoko ya lobi un jour nzamba kozwa ngai ma kozongisa mutu mususu. Dieu retire son homme, mais il ne retire jamais son esprit. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. En tout cas, ayez vos apaisements. Merci beaucoup. On poursuit toujours avec, notre tranche. Toujours se rappeler naba phrase prononcée par le révérend Baruch Tikasson. La phrase qui vous a plus tiqué, hein. Azan ma phrase de Bela Loba dans ma prédication, mais phrase oyo yo et toucha yo makas. Hein, de la même manière que la CRSP a dit, Nzambe le Bela Bana na yo, c'est comment il roule sa prière. Donc à chaque fois que il y avait un souci ou quelque chose qu'il ne comprenait pas, ton serviteur a dit le Bela Bana na yo. Donc je parle de la phrase vraiment qui vous a plus tiqué, la phrase qui vous a plus touché. Donc voilà, Obengi Biso. Et puis Olobi phrase yango ne nini. Donc voilà. Alors on poursuit toujours, on va prendre encore cet appel, on va prendre deux appels avant de prendre encore un élément parce que Mokile Mobimbande Zoloba. Na Motoyo, papa, apôtre, le révérend Baruch Tikasson, c'est tout le monde qui parle de lui. Et voilà pourquoi on va faire de nos mieux. La RTVA va vraiment faire de son mieux de pouvoir vous proposer, vous donner, toko, faire passer message au Yobande Konyon, Sobazoloba, de partout et de partout. Alors on va encore prendre cet appel. Allô? Allô, bien-aimé. Allô, Ndeko. Je suis à Pambola, Dino. À Pambola, Pinayo. Je suis à Zola, depuis Kingabwa. Merci beaucoup. Je suis à Kangai, pas à Pasteur, ou à Koloba. Je sais qui je suis. Je suis à Zola, ou à Koloba. Tout qui peut être à Boulinga, c'est pas à Nangai. Je suis à Afo. Je suis à Zola, ou à Koloba. Bangaliwate n'est pas peur de la mort. Voilà. Donc les trois phrases là, il y a mon article dans mon amour. Merci beaucoup. Merci. Ok, merci beaucoup. On doit aussi rappeler cette nouvelle ou cette information. C'était aussi demain. Je pense que à part la déclaration qu'il avait fait. Du haut de à part la déclaration qu'il a fait dans son église, là je parle de pasteur
dit au cas de Shekinah Tabernacle, donc à part déclaration à Salakine Église Naye, à Kenagi Peko rendre visite à la famille biologique. Donc, je pense que c'était hier qu'il y a qui rendre visite. On peut aussi voir ces images-là. Voilà, il était là. Donc, il est aussi venu compatir avec la famille qui est frappée de plein fouet avec cette nouvelle du décès de leur père. Alors, comme on peut le voir, lui avec le fils aîné, Bob Baruti Bomoi, à la résidence de l'homme de Dieu, le révérend Baruti Kassongo. On peut voir le pasteur Dioka de Shekinah Tabernacle, Aleka Kiwana. Ils ont eu une façon de compatir avec la famille éprouvée. Donc, merci beaucoup. Alors, on va maintenant prendre cet élément. Il s'agit d'une déclaration aussi. Il y a pasteur Moïse Mbié qui a de pasteur Baruti Torolandaye. Et puis c'était aussi dans son église. Je vous avais dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé. Des fois, bah, message Isoko m'a ébellé, mais on fait de nos mieux de pouvoir faire passer tous ces messages et de pouvoir couper Sabino vraiment Maloba parce qu'il y a son église qui doivent aussi parler, il y a des auditeurs, il y a des gens qui veulent aussi donner, parce que chacun, d'une manière ou d'une autre, Azali na phrase, ou Azali qu'on retenir pour na le révérend Baruti. Azali na maloba moke ou akoki koloba pe pour na le révérend Baruti. Alors, on va aller en image, on va voir Sylvain Maëlé, vous allez nous donner la déclaration de pasteur Moïse Mbié de Cité Bethel. Alors, nous allons rentrer pour continuer avec notre tranche spéciale. C'est parti. And he went there, à cette rivière-là. He went to that river, et il a commencé à boire. And he started taking that water. Une eau, il y avait un chien mort. In that water, there was a dead il dog. Faisait ça pour l'œuvre de Dieu. He was doing that for the et quand work je demandais à ceux qui sont autour, ils me disaient oui. When I was asking the people surrounding him, they were saying yes. Il y a un diacre qui est très proche de lui. There was that deacon next to him. Un jour, je lui ai dit, diacre, on peut pas s'entendre qu'on vole les téléphones de ses pères. We couldn't allow people to steal his phone. Pour qu'il se repose. So that he can have a rest. Mais c'était un homme très 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 mystérieux. Il connaissait les pensées de tout le monde. He was like a mysterious person. Quand on pensait voler son téléphone, il savait ce qu'on prévoyait. He faire. Knew what people wanted to do. Et il était rempli du Saint-Esprit. He had the Holy Spirit. He was anointed with the Holy Spirit. Il disait Jésus-Christ est le seul chemin qui mène au royaume des cieux. That Jesus Christ is the only way to get to the il se disait homme de message de Branham. He was talking to himself to say that he was a man of Branham. Contrairement à plusieurs, contrary to the others, il n'était pas dans une confusion. He was not in the confusion. Il disait tout le temps. He was saying all the time qu'il a cru au message de Branham, c'est Jésus qui est Seigneur. That he believed in Branham's message through Jesus Christ. Et c'est pour ça que j'avais beaucoup de respect pour lui. That's why I had more respect on him. Écoutez, Église, on a perdu un père. Listen, Church, we've lost a man. On a perdu un repère. We've lost a baobab. On a perdu une force. We've lost strength. Je serai moi-même personnellement très présent à ce deuil. I'll be there myself. Et je demande à toute la communauté Cité Bethel de faire la même chose. And I'm asking the whole community Bethel to be there. Parce que dans nos moments difficiles, lui-même personnellement était là. Because when I had time, he was coming personally. J'aimerais que nous puissions rendre hommage à cet homme. I would like to make homage to him. Nous allons nous tenir debout ensemble. We are going to stand up together. Et toi qui nous suis à la maison, tu peux faire la même chose que nous. And the one who is following at the house, you can also do the same like us.
On va pas prier pour sa famille. We are not going to pray for his family. C'est une famille de serviteurs et servantes de Dieu. I know that his family is a servant of God. And je sais qu'ils vont surmonter cette épreuve. I know that they are going to go beyond this difficult time. Et j'espère aussi que and I hope Baruti Tabernacle sera dans la paix. Baruti Tabernacle will be in peace. Je m'adresse à ceux de Baruti Tabernacle. I'm talking to those in Tabernacle, Baruti Tabernacle. Pendant la vie de notre très cher apôtre Baruti, il y a eu beaucoup de choses dans cette église. When this big man was alive, they had many issues. Je sais ce que c'est perdre un homme, un père et hériter d'une église. Je sais ce que c'est. I know what it is. Losing a great man. Tout ce que je vous demande. What I'm asking you to do. Que notre père soit enterré dans la paix avec beaucoup d'honneur. Let him go in peace and we bury him with all the honors. Mais après qu'il y ait beaucoup de calme. After there will be peace. Prenez les responsabilités. Take that time to have that responsibility. Pour que nous ne puissions pas entendre des bêtises après. So that we won't hear. On va pas permettre ça. On va pas permettre ça. We are not going to allow that. Que la paix, la joie, let le peace, respect, la dignité, and dignity dans cette église là. Be in that church. On n'acceptera plus. We won't agree at all. Que des pères partent. Seeing our fathers going. Et après il y a destruction. And after that there is destructions. Bethel a souffert de beaucoup de choses. Bethel suffered with many things. Prenez exemple de la cité Bethel. Take that example of city Bethel. Pour voir que vous pouvez marcher ensemble. So that you can see that we can still work together. Pour le reste, nous on sera là pour vous accompagner. For the rest, we are going to be there. Et j'aimerais que toute l'église, I would like that the whole church, pendant une minute, for one minute, que nous puissions acclamer pour la vie so de that you can applaud for him. Voilà, nous sommes de retour. Nous sommes de retour. Là, c'était le pasteur Moïse Mbillet de Cité Bethel. Voilà, on poursuit toujours avec vos réactions. 082-63-76-907. Quelle est la phrase que vous retenez de l'homme de Dieu, le révérend Baruti Kasongo? On prend encore cet appel. Allô? Allô? Allô. Ah, bonjour. Bonjour Ndeko Bengi Biso wa Pipe Komonani. Comment on a eu Jean-Pierre Omaetia, la Bengi Bido na commune Munga Full. Nazo pesa condoléances na Bota Mobimba Pasteur Baruti. Papa sali la biso mingi si au biso bana lodja. Phrase ni nous retenir na Pasteur Baruti. Phrase na eu zo retenir ezani. Asali la mama na ngati ba miracle bele mama na ngati la na malate bundi la punai abika seke ngi papa kufi tozo pesenda mina sikunda mina tindinga ngi. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci beaucoup Ndeko pour la contribution na yo. Tozali ko poursuivre toujours na tranche spéciale. On prend encore cet appel. On vous laisse vraiment parler hein. Allô. Voilà, on vous laisse vraiment parler, on vous laisse vraiment dire le phrase que vous avez retenu et pas à mon nzambe. Allô. Allô. Allô Ndeko Bengibiso. Allô Bengibiso Pipe Komonani. Et ça sœur Alphonsine, tu m'en as Bengibino na Kindele. Tozola nda sœur Alphonsine. Oh, mana kanga ko na pasteur Barout aib sarabiso na kokota lola code ezaka ka amour.
Ok. Donc, bolingo. Moi, je vais vous donner un exemple de Mpakawana, un jeune prédicateur. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. On poursuit toujours. Amour, amour, amour. Il est lui-même l'apôtre d'amour. Un papa rempli d'amour. Que l'amour règne vraiment. Pedro Tsikalana, amour, Juana. Allô? Allô, quoi, Pambolo, papa, je Ah, Pambolo, tu n'as pas eu de soi, peu comme on a. Merci beaucoup, maman Allégresse. Allégresse, hein? Allégresse et Kinga, papa. Merci beaucoup, maman. Merci, merci. Voilà, on poursuit toujours. On va encore prendre cet appel. Allô? Dekwakei. Tu as dit Koko, toujours. Na ba phrase ou ya malam, tu as dit qu'on retenir. Na son actif, ya beka. Tu as dit phrase nini. Ou tu as dit qu'on retenir. Tilelo. Allô? Allô? Allô, Ndekotozo, Kayo Bengi Biso, Ape, comment on est? Ah oui, Nabengi Bino Nangaba. Tozo, Kayo. Aïe, frère, Jean Zingi. Tozo, Landaï. En fait, moi, j'allais aider Léo, papa, la Biso, dans la vie pour l'Oba. Mais je ne pouvais pas, Nako, Kanako, Tanganyo, Somé, on a dit, 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 il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. À éviter. Vraiment. Voilà. Un peu, il y a un comme le rôle à mon devise Nangaï. Et Nazo pensé Naï, tant on y a ce problème. Merci beaucoup. Voilà un peu, on n'a pas de canisac à Naï, tant on y a ce problème. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Merci beaucoup, Zali. Phrase ou une des quoi Zali qu'on retenir. Na, Zali qu'on retenir. Phrase ou Azoa et pas il y a Baruti Kasongo. N'engende comment quoi le baki. Azali, livre t'es maza bibliothèque. Sur côté la bibliothèque ils allaient bah laissons peu bah phrases qu'on retenir alors tout ça sous son déco yo Nandila Yasinga allô amen que Dieu vous bénisse amen qu'il vous bénisse aussi au bengi biso un peu comment on comment on a fait grâce de Nazola à bengi nous depuis comme une amakala toujours andayo ah hello comment la carrière qui m'a caché toi papa. Ne faites jamais l'erreur d'abandonner le message. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 082-63-76-907. On poursuit toujours. On prend encore cet appel. Allô? Allô? Allô, Obengi Biswa Pe Komonani. Na Beni de Pingali Makombo Oscar. Tozo Landayo. Oui, témoignage nana, Beni Pakabano, le Batia Mounion. Phrase Nayo. Tout le monde Brana Mouté. Bien de Moutala qui se Brana Mouté, et se répéter exactement au Brana Mouassali. En réalité, ce qui te est bien dans le grâce à Pakéza, et l'on a dit qu'on a passé en route. Vraiment, merci beaucoup.
Merci. Très bien, merci beaucoup Ndeko. Il y a vraiment beaucoup d'appels. On a aussi des éléments. Je vais prendre d'abord deux appels et puis on va encore suivre un élément parce que c'est tout le monde qui veut parler. Non sopende bazana besoin à koyo kampaka ya en fait ya ya koloba pour nampaka toujours appel ayé voilà allô allô oui allô de ko bengi biswa pe ko monan bengi a partir à limité ko monan a fait prospère toujours en dedans papa la biso zala ko la baba phrase télé mais oui tu kali gravé na mute manangai zali phrase a zali ko le baque Jésus Christ est un Dieu des paradoxes oui. Donc ce qui a lingi même a pas molayo a to molayo a kota la pi di bote chikayo uti et donc peut-être bah ici des gens chali na vie donc à tout moment là ce qui a limité à tout moment là donc Jésus Christ est notre Dieu l'un Dieu des paradoxes à ça la kamakambo à nous lingi naie donc au lieu de surpasser la battante na piso on a des chikali vraiment des visions on a vu nanga libela na libela on a obanda okanisa ka pasteur nanga ibaru te kaswa. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. On va encore prendre, il nous reste encore deux appels avant de prendre un élément. Allô? Allô? Oui, allô, Ndeko, bengi biso ape komonan. Toujours, Kayo. Ok. Mon côté, j'ai retenu pour c'est le fait du King Bambé à Mandili. Ce que j'ai retenu du pasteur Barout, premièrement, son icône, son bibliothèque, nom dans le message. C'est que ce qui nous a positionné d'abord, de comment considérer Panama et comment considérer Jésus. Il nous a positionné. Et sa vie nous a enseigné beaucoup de choses. Donc sa vie nous a positionné comment aimer nos femmes, comment ne pas être infidèle à nos femmes, parce que lui-même disait maman faut maman chazangamban. Donc à cause ça n'a maman faute. C'est un exemple où même d'autres prédicateurs, même d'autres chrétiens ne parviennent pas à atteindre jusque-là. C'est les cas qui a vécu cela, à parcourir le ministère Maïe sans tâche jusqu'à la fin. Merci. Donc c'est un exemple à suivre comme nous suivons William Maro Branham. Si on n'a pas vu William, nous on n'a pas vu William Maro Branham, mais on a vu William Branham au travers la route. Merci beaucoup. Donc c'est un grand, c'est un exemple, hein, nous devons le suivre. Ces empreintes comme aussi merci beaucoup que son âme retrouve en paix. Voilà, merci beaucoup Ndeko Pona message nayo. Voilà, on va suivre encore un élément avant peut-être de pouvoir. J'ai dit qu'il y a des gens qui ont parlé, hein. Il y a vraiment des gens le béli soit de pasteur du message, de pasteur des églises dénominationnelles. Ils ont vraiment, vraiment parlé, le révérend Baruti Kasongo. On va suivre cet élément, le pasteur Joël Francis Tatou, prophète Joël Francis Tatou de l'église Porte de Cieux, qui a aussi, c'était le dimanche, parlé longuement
du révérend Baruti Kasongo. On va suivre ça et puis nous allons rentrer pour continuer avec notre émission spéciale, prendre quelques appels avant de pouvoir céder la place. C'est parti avec la régie. Au Gabon, en Côte d'Ivoire. Quand un homme de Dieu te donne l'onction, quand il est vivant, tu peux opérer dans son onction. Quand un homme de Dieu te donne son manteau, quand il est vivant, tu n'opéreras pas dans son manteau. Je regarde encore la vidéo ce matin. Il nous donnait un témoignage. Il dit, il était dans la voiture avec des frères et sœurs. Et en avançant, une voiture venait tout droit en leur direction. La voiture était en train de les cogner. Et lui, il a crié, Jésus! C'est comme du gel. Les voitures se sont traversées. La voiture n'est pas passée à côté. La voiture, ils sont entrés dedans. La voiture est sortie intacte. Elles sont sorties intactes. Où est le Dieu de Baruti Kasongo? Les gens disent non, ce sont des branamistes. Mes amis, certains ont pris du recul par rapport à moi parce que j'avais honoré et invité. Mais église, écoutez-moi. Le Jésus qui revient ne viendra pas prendre les logos de nos papiers en tête. Pourquoi je l'avais invité? C'était... Et le 1er juin 2024... est parti et nous serons debout pour saluer Pasteur Baruti Kasongo et rentrer auprès du Seigneur. Que nous acclamons pour le travail qu'il a fait, l'œuvre qu'il a produit et l'impact qu'il a laissé. Venez vous asseoir. Après la mort de ces généraux que j'ai cités, si vous êtes un étudiant des réveils, vous allez voir que plusieurs de leurs espèces sont nées, un nouveau mouvement sont nés. Et j'aimerais vous dire, un des rares, peut-être un des derniers, qui avait un don de guérison authentique, un don de miracle authentique, on était à la maison de Papa Baruti. Je regarde encore la vidéo ce matin. Je donne un témoignage. Il était dans la voiture avec des frères et sœurs. Et en avançant, une voiture venait tout droit en leur direction. Et pendant qu'ils voulaient se ressaisir, la voiture était en train de les cogner. Et lui, il a crié, Jésus! La voiture qui avançait. Et leur voiture, c'est comme... du gel. Les voitures se sont traversées. Et disait, ils voyaient les gens de l'autre voiture là, comment ils passaient, eux aussi ils passaient. La voiture n'est pas passée à côté. La voiture, ils sont entrés dedans. La voiture est sortie intacte, sont sortis intacts. Où est le Dieu de Baruti Kasongo? J'aimerais dire à l'église, comme ce général de Dieu est à terre, plusieurs de la même espèce que lui vont marcher dans le don de guérison. Oui! On verra Rafa dans l'église et plusieurs viendront au cabinet médical du docteur Jésus. Nous avons eu le privilège de recevoir ce père ici. Nous avons eu le, je ne dirai pas beaucoup de choses. Je me rappelle de quand il était venu ici. C'était au mois de juin aussi, l'année 2021. Quand je l'ai invité, beaucoup de gens ne voulaient pas que je l'invite. Les gens disent non, ce sont des branamistes. Les gens disent non, on va te fermer des portes. Et même beaucoup de mes amis, certains ont pris du recul par rapport à moi, parce que j'avais honoré et invité. Mais église, écoutez-moi. Le Jésus qui revient ne viendra pas prendre les logos de nos papiers en tête. Le Jésus qui revient ne viendra pas prendre les papiers en tête de nos églises. Le Jésus qui revient ne viendra pas prendre les dénominations dans lesquelles nous faisons partie. Le Jésus qui revient ne prendra pas en fonction de qui était notre pasteur ou qui était notre évêque. Il viendra prendre son église. Et l'église de Jésus n'est pas votre église. Beaucoup de gens ont un orgueil démesuré. Tout ce qui a de bien et ce qui a chez nous. L'église de Jésus est plus grande que votre communauté. L'église de Jésus, c'est plus que les églises protestantes, plus que les églises catholiques, c'est plus que les églises orthodoxes. Les gens qui seront enlevés sont dans toutes les dénominations. Personne n'a la photocopie du livre de vie qui dit que tous les catholiques iront en enfer. Non! Les apôtres en leur temps disaient au Seigneur, les miracles sont faits par nous parce que nous sommes mandatés par toi. On a vu quelqu'un qui n'est pas de notre ecclésia, mais qui chasse aussi les démons en ton nom. On l'a interdit de faire ça. Jésus a dit, vous voyez votre problème? Vous avez la mentalité des groupes, la mentalité des réseaux, la mentalité des dénominations. Celui qui n'est pas contre nous, il est pour nous. Il y a des gens qui ne sont pas de la KDC. Il y a des gens qui ne sont pas des églises des rêves au Congo, mais qui font partie de ceux qui travaillent pour le Seigneur Jésus-Christ. Respectez tous les hommes et ne jugez personne. Ce que vous ne savez pas, qui sera à l'enlèvement de l'église? Dis à tes voisins, ne jugez pas les hommes. Il arrive un temps, juste juge jugera selon les critères inhérents à sa fonction de juste juge. Je respecte l'abbé Bleskanda. Je respecte beaucoup de prêtres catholiques que je connais. Dieu ne nous a pas appelés à juger les gens. Il nous a appelés à aimer les gens.
autant que je respecte les branhamistes. Et pasteur Baruti était un homme dont j'avais la plus haute estime. Même quand il voulait venir prêcher ici. Il nous avait dit ça. Le frère Patrice Moubien nous avait dit ça. Les généraux l'ont appelé. Les ministres l'ont appelé. Qu'ils connaissaient. Ils ont dit, on a vu l'affiche avec le prophète là. Ils ont dit, c'est un magicien, un occultiste. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Papa Baruti a dit, cet enfant même, je l'aime aussi. Et Dieu m'a dit d'aller à la porte des cieux pour aller bénir cette église. Porte des cieux, le 6 juin 2021, je disais ici sur la chair mot pour mot. C'était un dimanche. Je prêchais sur les dimensions de l'onction. Quand Papa Baruti partira, nous à la porte des cieux, nous serons heureux. Parce que nous avons pris ce que Dieu avait mis dans cet homme. Réjouis-toi, porte des cieux. Parce que tu honores les manteaux. Parce que tu honores les onctions. Réjouis-toi, porte des cieux. Parce que tu honores les précurseurs. À la porte des cieux, nous n'acclamons pas les gens pendant leur mort. Aimons-nous vivants. Pendant notre vivant, amen. Que nous à la porte des cieux nous célébrons les gens. Ah, pourquoi je l'avais invité? Répète mes propos. Parce que je me disais, il va bientôt partir. Et son don partira chez qui? Sa grâce partira chez qui? Je ne sais pas combien de personnes il a donné ça. Quand on était à genoux ici, quand on était au bureau, quand on était chez lui, je représentais toute l'église. Je crois devant Dieu que ce que cet homme a fait, puisque c'est un point de contact entre Dieu et les hommes, cette grâce est retombée ici. Je peux vous dire une vérité. Quand un homme de Dieu te donne l'onction, quand il est vivant, tu peux opérer dans son onction. Quand un homme de Dieu te donne son manteau, quand il est vivant, tu n'opéreras pas dans son manteau. Je répète, un homme de Dieu est vivant. Dans l'onction, on est travaillé avec son onction. Mais quand un homme de Dieu te donne son manteau, tu ne paieras pas dans son manteau. Quand Moutoumou a prié pour moi, ce qu'il m'a donné n'agira pas aujourd'hui. Quand il partira, ce qu'il a mis, le manteau d'Élie ne se manifeste qu'au départ d'Élie. Rappelez-vous, Élie avait jeté à Élisée son manteau, mais jamais Élisée a opéré de l'onction d'Élie. Parce que Élie était encore vivant. Voilà, quand tu as la grâce doit être reconnue partout. Ce n'est pas seulement dans les quatre murs, mais même ceux qui sont de loin vont parler de toi. Voilà, c'est ce qui se passe avec le révérend Baruti Kasongo. Même ceux qui ne sont pas du message ont toujours des choses à dire concernant l'homme de Dieu, le révérend Baruti Kasongo. J'en ai passé ici de pasteurs qui ne sont même pas du message. On vient de suivre l'extrait de pasteur Joël Francis, le prophète Joël Francis. On vient de suivre l'extrait de Mike Kalambay, pasteur Mike Kalambay. On vient de suivre l'extrait de pasteur Moïse Mbié. Il y a des extraits de pasteurs qui ne sont même pas du message, qui ont parlé de lui, de ces grands hommes de Dieu, le révérend Baruti Kasongo. Alors, je vais prendre que 5 appels et puis on va céder la place parce qu'on me rappelle déjà que mon temps est terminé. Alors, deuxième appel à Liboso, parlez-nous de la phrase que vous retenez de l'homme de Dieu, le révérend Baruti Kasongo. 082-63-76-907. Alors, on reçoit je vais recevoir 5 appels avant de pouvoir céder la place. On commence avec qui? Deuxième appel à Liboso. Allô? Allô? Oui, allô, Ndeko Bengibiso, appel comme on a. C'est Frère Gaspard de Koulouye Marigini, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi, toujours quand même. Ok, là, il y a la réclera, et toi, papa, nana, je vois, je suis votre guide. Donc, notre père, il est notre guide, ou à la distance de là, il y a un héritage. Merci beaucoup. Ouais, merci. Deuxième appel, on va recevoir un deuxième appel. Merci beaucoup Ndeko Alobi. Yé Oya Retena, Papa Lobazali guide. Allô? Allô?
Allô? Allô, Ndeko, bien, il y a un peu de Amen, que Dieu vous bénisse aussi. Merci beaucoup. Concernant le programme, prenez votre mal à patience. On va vous tenir informé en temps réel une fois que le programme sera disponible. Merci beaucoup. Tu es sur ce troisième appel. Allô? Allô? Allô, maman, bengi biso ape komonan. Bonjour, la bengi bino zone, la sœur Martini Chipenda. Toujours en d'ailleurs. Mes sœurs, condoléances à toute la famille Barouti. Oui, oui. Merci beaucoup. Non, on voulait savoir, Cor et Koya Boye. Oui, oui, Cor et Ozala rapatrié Boye. Mais le jour, on va vous tenir informé. Ok. Oui, oui. Ok, je voulais savoir. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Amen, que vous bénisse aussi. Merci beaucoup. Merci. On va prendre le quatrième appel concernant le programme. En tout cas, prenez votre mal à patience. Donc, informez Bino une fois le programme est causé après. Et Bouyebako Kor et Koya Bouye. Les jours, vous serez communiqués. Alors, on prend encore ce quatrième appel. Allô? Allô, bonjour. Bengibiso Ape Komonani. Allô? Toujours quand mal à monter. Toujours en d'ailleurs. Oui. On a vraiment du mal à vous écouter. Toujours quand mal à monter, Ndeko. Alors, on attend le tout dernier appel 082-63-76-907. Voilà, tous une déco. Allô? Allô? Bonjour, mon frère. Bonjour, une déco. Bien, bisous, appelé comme on est. La bengue, on a commis la macala. Comme on a eu papi, et là, papi. Toujours le canon. Vraiment, avant un hommage, la patriarche, la bisous, parce que ma route. Merci beaucoup, Ndeko.
Merci beaucoup Ndeko pour le message Nayo. Tsuki sina Ndeko. Nduzi pununu. Allô. Allô. Allô Ndeko. Obengi biso api ozali na commune. Obengi na commune Limba. Tsuki kayo. Phrase, phrase aux retenir, phrase aux Kanga et où t'es pas Beka. Beka était un homme d'amour, apôtre d'amour. Au moins, un témoignage où il est canadien, mais la fille n'a pas la chasse à la moussade. Nous allons te mettre numéro ma maison voisine. Son amour la santé la fonction. Au Sénat, témoignage, nous s'appelons un groupe électrogène. Beka Bondela, nous s'appelons en dehors, il y a Wana de souci. Circoncision et salam à la Mukongo. Il y a maman. Maman m'a mis moi la bébé. À chaque fois, il y a une bête hôpital. Moi, la belle à la tête. Mais maman, je viens à moi, je suis en train de me faire un peu de temps. Je viens à mon congo. Papa, la biso, elle a dit presque déjà à Koukoufa. À travers prière à Beka, je viens à papa, la biso, deux semaines. Je vais vous aider à me faire un peu de temps. Merci beaucoup de conduire pour nous pour la contribution à yo. Je pense que tu as commis vraiment na souka ya tranche na biso. On va plus recevoir les appels parce que nous sommes arrivés vraiment à la fin. Alors pour toutes les phrases que nous venons de dire pour na ba parole nyo sur ton lobby, moi mon souhait est que tocha ma phrase nyon soana, ma parole nyon soana na misala. Il a dit ceci, la seule façon d'honorer sa mémoire, c'est de respecter la phrase que tu retiens de lui, de respecter cela. Alors, j'ai dit, grand merci, Nabino Sobatubolandi, la PCP n'a présenté sous mes condoléances, la famille biologique, famille chrétienne, Église Corps du Christ. On va se revoir à la prochaine et je pense que Torokutana communiquer au fait programme tant que vous êtes disponible. Mais j'aimerais que Sylvain Maël, le temps aussi de cette émission, te soukane un dernier message. Donc, l'élément en Ezali, en fait, moi, ma vidéo parmi ma parole où on a vraiment à retenir, c'est mon travail est fini et on va se voir au ciel. C'est vraiment de paroles qui prouvent à suffisance que c'était vraiment un homme de Dieu parce qu'il sait que le travail ou la mission qu'on lui a donnée par Yahweh est finie et destination, on va se voir au ciel. Et quand il dit c'est aussi un devoir qu'il nous a laissé. Moi, je suis parti, mais vous aussi, vous devez me suivre au ciel. Alors, pour que nous puissions le suivre au ciel, nous devons marcher selon qu'il a dit, selon de conseils qu'il nous a donné, des bonnes paroles qu'il nous a donné. Sylvain Maël, on finit avec cette phrase et on finit avec ce dernier message. Et quant à moi, on se retrouve à la prochaine. Que Dieu nous assiste et nous fortifie, la grande famille Corps du Christ. Merci beaucoup. Salut, il faut une salle sur la télé, ça y est. Ici. Tu as écouté la voix, puis. Non. Dernière fois au monde.
Salut, il faut une salle sur la télé, ça dit. Ici, ici. Tu as coupé la wapi? Non. Dernière fois, mon monde. Salut, dernière fois, mon monde. Salut, il faut une salle sur la télé, ça dit. Ici, ici. Tu as coupé la wapi? Non.